pas de duvet, toi. Ah non, mais non, papa a dit, tu n'amènes pas de duvet, il y a des couvertures, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai fait, ok, je voyage léger. Ah ouais. La prochaine fois, je t'écouterai pas, je prends le jour. Ouais, mais t'avais pas de place pour mettre de duvet, t'es plus cher comme t'étais. T'inquiète. Oh, la belle tortue, là. Et hop, le dernier, il y va au poil. Allez. Et finalement, ça grille les tartines. T'as pas remis du beurre dedans? Non, mais comme ça va le faire. Allez, on va le tenter light. Palamos, bye bye. On est sorti du port, de l'air, de l'air. Mais on l'aura au portant. Là, on est déjà à 25 nœuds. Ouais. Ça devrait se calmer un petit peu plus après. Qu'on sera plus au large. C'est ça. Marseille, le vent souffle comme ça. Marcha, c'est évident, on va arrêter au milieu. Signe 7, 7, 9, 8, 2. Le pilote fait bien le job, on barre un petit peu quand même. Seul petit bémol, il fait frais. Je m'en branche. Il fait frais. Bon, la mer est formée, on le voit. Il va pas faire chaud cette nuit. On est en avril, le 8 avril. La maman est sur la vitesse. On a fait 15 000 en 2 heures. Là, ça fait 2h18 que nous sommes partis. On a fait 16 046.
spectacle est magnifique. Hélas, trois fois hélas, il fait 3 de loup. Non, c'est 13 degrés en mer. Et bon, avec ce petit vent, c'est assez frais. Alors, on est bien à l'intérieur, sous pilote évidemment, et avec du moteur là actuellement pour recharger les batteries. En prévision du pilote automatique de cette nuit. En prévision, ben, même de l'instant aussi. Ah non, non, on va faire tourner cette nuit, c'était pareil. Alors. Ah non, ça nous emmerde la nuit. Ah, pour le dodo. D'accord. William s'est mis à la barre, tout dans la quantité. On va faire tourner le moteur. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai rien dit. Qu'est-ce que tu fais? Je joue au gravi. Oh. Bon, ce qui est très joli, c'est que là, je viens juste de me lever parce que je faisais ma petite sieste tout nette là. Et là, ma petite tête appuyée là, voilà mon spectacle. Mais ça, c'est un vrai spectacle. C'est magnifique. À cause de ses pieds. Tout à fait. Si tu veux entendre le bruit, c'est qu'on veut dérouler ton pantalon. C'est pas grave, il n'est pas gênant. Ça. Elle ne vibre pas, elle n'est pas au taquet. Hein. Non, il marche bien. C'est chaud. C'est chaud là, non? Ça fume. Alors, on va mettre dedans aussi. Quel beau moment, passé sur l'eau. Là on sent les rayons du soleil qui chauffent un petit peu. À 1,50 m là il y a du vent qui rafraîchit. Je suis à l'abri là et je regarde et je contemple. J'observe, j'écoute la mer. Et se dire qu'on est seul sur ce petit bateau au milieu de rien, de cette mer. Alors j'ai pas envie de dire cette mer en colère, non, au contraire, c'est une mer accueillante, c'est une mer amicale, une mer qui vit. J'adore quand les vagues hurlent, qu'elles produisent cette écume-là. Elle semble dire coucou, coucou, on est là, on est vivant. C'est une mer vivante, voilà, c'est ça. C'est tellement beau, tellement beau. Et puis par moment, voilà, là, c'est en train de s'aplanir un tout petit peu. Et puis il va en arriver quelques-unes derrière. Alors, c'est pas des séries, c'est pas de la houle. Là, on est en Méditerranée et elles sont. C'est très court. Et le bateau fait ses petites embardées, la mer ne fait pas les embardées, la mer le ballotte, l'envoie à bâbord, au tribord. Et le pilote le rattrape à chaque fois, il le remet dans le presque droit chemin, sur son cap, c'est-à-dire sur sa route, le lieu où nous devons arriver demain matin, en l'occurrence Marseille. Et il y va gentiment. Alors il faut rester attentif à tout ça, pour la beauté de tout ça, et puis pour la sécurité aussi. Le voile, bien réglé. Il faut savoir profiter de cet instant, vraiment, dans ce désert où peu sont, peu vont. Et on est si bien dans ce sens-là, avec la mer et le vent, dans le même sens que nous. Parce qu'on a choisi, qu'il en soit ainsi hier. Eh bien, pas plus tard qu'hier, le vent était exactement à l'opposé. Mais nous n'étions pas là, nous étions à l'abri. Encore, on a attendu. Aujourd'hui, la mer nous a dit, allez, venez avec votre petit bateau, je vous emmène. Et nous voilà là. Alors on pense aux heures qui nous attendent. Il est 18h45. Le soleil est baissé sur l'horizon.
Donc les heures qui nous attendent, le soleil va baisser là, se rapprocher de l'horizon. Et ensuite la luminosité va baisser. Cette nuit la lune ne devrait pas être. Pas être, pardon, la lune ne devrait pas être haut, reste le mot. Très éclairante. Donc le sombre va nous envahir. C'est blanc au fond, là. C'est bleu. Et après la nuit, le rythme de la nuit va se décrire lentement. Nous allons assurer des cartes autour de nous. Il n'y a rien de prétendu. C'est pas écrit, nous n'avons pas le tableau de cartes. On le fait en amitié. Comme ça, et entre nos quatre, il n'y a jamais de heurte. C'est toujours bien huilé. Ça s'inscrit dans la logique, dans la fatigue, dans l'envie. Il y a toujours quelqu'un devant. Rester attentif. Attentif, alors, bien sûr, attentif à l'éventuelle collision avec notre bateau. Mais on n'a vu aucun bateau depuis le départ. Quelques bateaux de pêche, oui, en partant de Palamos, mais c'est tout. Qui retourne au port. Mais surtout attentif à la marche du bateau. Attentif à la bonne allure, au bon réglage, permanent, parce qu'on ne touche rien pratiquement. On s'est mis une très bonne allure dès la sortie du port. Et on y sera presque jusqu'à la maison, je crois. Attentif, oui, aux conditions météo. On sait que selon les fichiers météo, le vent devrait se décaler un petit peu sud-sud-est, encore un peu plus. Donc nous pourrons abattre notre route et rester à un angle de route intéressant. Là pour l'heure, ça fait 5h32 que nous sommes partis. Nous avons fait 41 000 nautiques, soit une moyenne de 7.1. Les vitesses moyennes. Ce Dufour 382 grand large est un très bon bateau en termes de carène et de alors, performance. C'est comme ça qu'on appelle alors pas performance au sens de course, quoi, de victoire, mais de glisse. Il est confortable sur l'eau. En mer, son plan de voilure est bien établi malgré son fort auto-vireur à l'avant qui me laisse un peu sceptique, mais qui propose un bon confort en mer quand même, non seulement pour les virements de bord que l'on peut faire tout seul, on a vu ça il y a 2-3 jours, mais là, une fois qu'il est réglé aussi, il est très. Il ne bouge pas, très confortable. On le regarde. Voilà, notre fort auto-vireur à l'avant, il ne bouge pas, on a pris des tours, et il fait le job. Voilà en quelques mots ce que j'aime particulièrement, et c'est que nous aimons tous les plaisanciers, quand nous sommes en mer. C'est beau, là, c'est merci, ouais. Oh, tu ne voulais pas me charger celui-là? Léger, j'avais dit. Allez, chine. T'as passé une bonne nuit. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Un ski? Non, sérieux. Un thé? Allons, mon beau gars. D'ailleurs, c'est pas possible de le boire si vite. C'est pas du vin. Ça brûle. Oui, c'est toi, mais fais pas le con. Il n'y a pas une goutte. Bon, ça nous rappelle un peu la Transat, mais ça ne bougeait pas pareil. Non, ça ne bougeait pas pareil. C'est un peu bon sur bord. Ouais. On est vraiment appuyé sur les hanches. Le fond était à 140, hein. C'est peut-être aussi le bateau ouais. Qui roulait plus. Après, ouais, c'est différent quand même. La mer? Ouais, tout.
La mer, mais c'est vrai que les vagues étaient peut-être un peu plus longues aussi. Elles sont plus longues, c'était de la houle. Après, ils l'ont emmené. C'est pas fait pour les autres images, mais a priori, ils sont emmenés en France. Hein. 19h45, l'heure de l'apéro. C'est la fin de journée, le soleil se couche. Le vent est toujours bien présent, la mer aussi, forcément. Bon, le vent est tombé un tout petit peu, mais guère. Hein. Et on file. Là, on a fait 47 000. Oh, je tombe. Bon, je vais le dire, ça sera plus évident. On a fait 47 000 nautiques en 7h47. À une moyenne de 7 nœuds. Le vent nous pousse bien. Il va falloir se couvrir encore un peu plus pour la nuit. Mais bon, on va observer la veille de l'intérieur parce que le coup est plus. L'heure est au fameux quart de nuit, il est 2h30 du matin. Il fait un peu moins frais après une bonne nuit de sommeil. Ça passe, la fraîcheur fait une bonne nuit. Quelques heures au tirage. Ben, le quart, ça consiste à surveiller ce qui se passe devant, surtout, enfin, ou tout autour. Sachant qu'il ne se passe rien. Alors, on voit les lueurs quand même de la terre droit devant. Même si je les montre, on ne verra rien. Nous sommes à 50 000 de Marseille, ce qui représente environ 80 km. Et tout va bien, voilà, ça bouge beaucoup, le vent est un petit peu tombé, donc on va un peu moins vite. Mais la mer semble toujours aussi forte. Pas d'inquiétude, tout va bien. Je bouquine et je surveille autour. Et j'écoute un peu de musique. Magnifique lever de soleil, on voit juste tac ici le Cap Sicier, tout là hop la Ciotat et Marseille devant. Belle nuit. Il est 7h. Ouais, il doit être 7h je crois. 7h10, ouais. Belle traversée, que de la voile du début à la fin, on s'est régalé. Le bateau. L'autre en catané, il m'empêchait de dormir toute la nuit. Donc le bateau a. Bien marché, je pense qu'on est une moyenne bien à 6 nœuds. Hein. Et puis ben, arriver, je pense, au plus fort d'ici 4h. Voilà. Et là, il faut que je vous en raconte une bonne. Et je vais m'adresser à toi. Toi, l'abonné de la chaîne Pierrot Tabasco. Parce que Pierrot Tabasco, il nous vend des choses. Il nous vend que sa gambade, il nous vend si on a brillé le code. Mais ce qu'il ne précise pas dans ses vidéos, c'est tous les inconvénients de naviguer avec lui. Et je peux vous en parler parce qu'après une transat et les 15 jours ici, ça fait 2 mois et demi à naviguer avec lui. Il ronfle. Mais il ronfle. Et ensuite, c'est une casse-couille de première. C'est-à-dire que pendant qu'il était de quart, et donc moi, je devais dormir, il m'empêchait de dormir toute la nuit. Il est venu me foutre la lumière dans la gueule toutes les 30 secondes et je cherche mon téléphone et je cherche la liseuse et je cherche la tablette et je cherche ci, je cherche ça. Il m'a allumé la lumière, enfin bref. Et ce matin, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors, comme je suis quelqu'un de sympathique, je lui ai préparé un petit café. On va aller voir le café quand même. Voilà. Mais il va quand même falloir aller le réveiller gentiment, avec bienveillance. C'est celle-là la bienveillance. Allez, on y va. Le café est prêt, mon bicounet. Tu peux te réveiller. Voilà, oh, c'est lui. Qui nous empêche de dormir.
Tu sens cette bonne odeur du pur arabica? Moi je te ramène au café. Ça m'étonnerait.